Alors, aujourd'hui, on va découvrir le jeu de la cible, un jeu que l'on utilisera aussi la semaine prochaine. Une cible est utilisée au tir à l'arc. Elle permet à l'archer de tirer ses flèches et de pouvoir ensuite calculer ses points. Plus on est proche du centre, et normalement, plus on a de points. Ici, ma cible, quand je touche le rouge, j'ai 10 points. Quand je touche le vert, j'ai 5 points. Et quand je touche le bleu, j'ai un seul point. Ça sera au tir à l'arc. Alors nous, ça va nous servir à faire des coups. Par exemple, j'ai tiré mes petites fléchettes, j'ai fait 1 plus 5 plus 10. Combien est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait 16. C'est la première fois qu'on fait une addition avec trois nombres, mais c'est comme avant. 1 plus 5, je sais que ça fait 6. 6 plus 10, c'est 10 et une dizaine, donc ça fait 16. Je dois utiliser deux flèches et faire 15 en utilisant deux flèches. Est-ce que tu vas trouver où se trouvent, où vont tomber les deux flèches? Attention, vise bien. Et on envoie les deux flèches. Oui, sur le 5 et sur le 10. 5 plus 10, ça fait bien 15. Je dois toujours utiliser deux flèches, mais cette fois je cherche à faire 11. Alors, où est-ce que je les envoie les flèches? Sur le 1 et le 10. 1 plus 10, ça fait bien 11. Je dois toujours utiliser deux flèches, mais cette fois je dois faire 6. Est-ce que tu vas réussir à trouver tout seul? Alors 6 et on les envoie 1 plus 5, ça fait 6. Ouh, maintenant il faut que tu utilises 3 flèches et que tu fasses 11. Mais attention, il faut utiliser 3 flèches, donc ça ne peut pas être comme tout à l'heure. Cherche bien tout seul sur ton ardoise ou dans ton cahier violet avant de prendre la réponse. Moi, je vais jeter ma flèche dans le 5 plus 5 plus 1. Ça fait bien. 5 plus 5, 10 plus 1, 11. Utilise 3 flèches pour faire 3. Je suis sûre que tu ne vas pas y arriver. Alors, est-ce que tu y es arrivé? Non. 1 plus 1. Plus 1, c'est bien. Et est-ce que tu peux faire 7 avec 3 flèches? Plus 1 plus 5. Bien joué!